Qu'est-ce que j'ai raté? Attention à tous, je vous prie. 6 mois sur la route et 4000 km derrière nous. On a traversé beaucoup d'épreuves. Très bien, tout le monde. Je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvées et de longues délibérations, nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel. Il s'agit d'une vallée fluviale. Il y a une forêt et une centrale hydroélectrique. Et c'est assez éloigné des zones les plus densément peuplées, ce qui, comme notre voyage nous l'a appris, est essentiel. C'est à environ 2 jours de route d'ici. Alors, félicitations à tout le monde. Ouais. Cependant, un autre point essentiel est à l'ordre du jour. Stéphane, Katia. Oh, des alliances. Stéphane, Katia, répétez après moi. Je te prends, Stéphane, pour l'époux, Katia, pour l'épouse. Et promets de te soutenir à partir de ce jour. Et promets le meilleur à partir de ce jour. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la santé et dans la maladie. Dans la santé et la maladie. De t'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. En tant que capitaine de ce vaisseau, je vous déclare mari et femme. Que votre vie soit longue et heureuse. Oh, et... Gorgor! Désolée de ne
vous avoir rien dit. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? Ayamantao, quand il m'a emmené, l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus à cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plus pour longtemps. Mais comment tu as pu croire ce monstre? On vient de traverser un désert et les tempêtes de sable. C'est sûrement à cause de ça. Katia, Artyom, venez par là. Tout va bien, Artyom. Vas-y, je me sens mieux. Ne paniquons pas et tâchons de réfléchir. Bon, Katia, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est éprouvant pour les poumons. Ouais, je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début si ça avait été le cas. Il me semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de son air pur. Ça pourrait suffire à la soigner. Excusez-moi d'être indiscret, mais il y a un problème. Anna a craché du sang. Mon Dieu, tu crois vraiment que c'est à cause du sable? Ça ressemble plutôt à la tuberculose, selon moi. La tuberculose, on peut gérer. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Mais si ce dégénéré avait raison, Katia, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un remède? Il y avait une batterie anti-aérienne dans notre village. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou empoisonnés. Je vais chercher son nom dans les archives de ma mère. Je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk. Novosibirsk. Yermak, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pour Anna, je n'hésiterai pas à aller au bout du monde. Quant à Novosibirsk, ça fait dans les 2000 bornes. Alors c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament. Alors Katia, je t'en supplie, trouve-nous ce nom. Je le trouverai, ne t'inquiète pas. Une dernière chose, Artyom. Je ne veux avoir aucune surprise dans cette vallée. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la drésine, emmène un volontaire et va examiner la zone avant notre arrivée. Pour le moment, retournons dire à Anna et aux autres de se calmer. Pauvre enfant. Je n'ai jamais été très croyant. Mais en ce moment, je prie tous les dieux. Pitié, veillez sur Anna. Et faites que la vallée puisse la guérir de sa maladie. En attendant, Alyosha et moi sommes partis en mission de reconnaissance. On ignore ce qui nous attend, mais Alyosha semble persuadé que tout un tas de femmes attendent son arrivée avec impatience. Si c'est bien le cas, je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon pour cette mission. C'est vrai. J'avoue que j'ai un petit faible pour cette vallée. Inspire un bon coup. Ça donne le tournis. J'ai jamais respiré un air aussi pur. On reste
encore une semaine ici. Plus de guerriers à Nal, je te parie que les jambes du colonel pourraient repousser. Bordel, ça se court. Les rails sont complètement tordus. Ils vont pas tarder à lâcher, à mon avis. J'espère qu'ils pourront supporter notre poids. On devrait contacter l'Aurora, leur dire de prendre l'autre voie. Répondez, Aurora. Ici, reconnaissance avancée. Vous me recevez? À vous. Colonel, cette voie est trop fragile pour l'Aurora. Prenez la principale, à vous. Je vois. Elle aura besoin de réparation. Ça va nous parler. Mais le plan tient toujours. On peut le voir au barrage. Quelle est la situation là-bas? Terminé. La situation est juste incroyable, mon colonel. Anna va sûrement adorer. À vous. Bon, voilà le plan. On rejoint ce barrage, on l'examine vite fait, et on les recontacte. Regarde un peu comme c'est bon. Dommage qu'ils aient pas pu voir ça plus tôt. Bon sang, regarde-moi cette église. C'est lourd. Oh merde. Respire. Oh. Je dois vérifier la berge en aval des rapides. Y'a rien ici. J'arrive. Bien. Nos hommes ont capturé ton ami. Mais je sais que vous n'êtes pas des bandits. Je vais t'aider, à condition que tu ne fasses pas l'idiot. Je dois y aller. Reste discret et tout se passera bien. Alors ici, je sais qu'il y a un paquet d'animaux mutants, ça va être assez drôle. Vraiment, j'ai perdu mon sac. Wouah, putain, elle est jolie la zone.
Alors, on va... Ils se sont fait fumer les bandits ici. Ok. Hop là. Oh, y a rien ici. Dommage. Il y a des tas de loups dans le coin. Ouah, la tête qui fond. Me laisse pas ici. Je te dois une fière chandelle. Je l'oublierai jamais, je te jure. Ces bâtards de la forêt. Je vais me faire déchirer par ces connards de loups. Tu me dis que dalle. T'es de quel baraquement? V'là ton matos en tout cas. En tout cas, va pas là-bas tout seul. J'ai essayé, et tu sais comment ça a fini. Ces connards se planquent comme de vrais lézards. J'avais réussi à entrer, et j'étais sur le chemin du retour quand ils me sont tombés dessus. Merde! J'ai les jambes complètement engourdies. Je peux pas bouger. Oh. Je vais attendre qu'elles se remettent. Et j'irai chercher les gars. On a une bonne chance de surprendre ces merdeux. On va les écraser comme des punaises. Écoute, t'es de quel baraquement au final? Je croyais connaître tout le monde. T'es de notre campement au moins? Et enfin, même si t'es pas un des nôtres, j'ai quand même une dette envers toi. Merci mec. Et ces sauvages là, si tu veux traverser leur territoire, va falloir te déplacer comme un fantôme. Cela dit, tu m'as l'air plutôt coriace. Je parie que tu pourrais tous les éliminer. Alors si tu croises un de ces enfoirés, descends-le. Ça leur apprendra à pendre nos hommes à leurs poteaux. Ouais, bon.
Alors, vous pouvez continuer ici. Alors, on va traverser la forêt pour voir. Parce que là-bas, la route est bloquée. Attendez, ouais. Ouais, je peux pas aller derrière. Tu parles d'une connerie. Je récupère un sac à dos. Ok, notre passage c'est pour nous faire récupérer des munitions. Visez bien, c'est bien les caisses de trucs que je vois, d'armes que je vois. Ok, alors, c'est parti. L'homme au masque à gaz. Hop là. Je peux pas passer par un autre endroit. Voilà maintenant que je peux passer par l'école.